Salut tout le monde, on se retrouve encore pour du Mass Effect 3 en multijoueur. Et donc cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer du gameplay de l'ingénieur humaine N7, en espérant ne pas faire trop de la merde. Et donc je vais vite vous montrer ses pouvoirs. Oui, enfin déjà les couleurs. Hein. Ah mon dieu, c'est magnifique apparence. Là, ouh là là, c'est comment? Oui, c'est comme ça. C'est magnifique, dis donc, avec du noir, des petites bandières jaunes, truc orange, voilà. Moi qui ai choisi les couleurs, je trouve ça très très beau et tout le monde s'en fout, donc on va passer vite au pouvoir. Alors le pylône ravitailleur, donc pour avoir des munitions et des grenades qui pop, et puis quand on passe dedans, ça augmente temporairement. C'est où? C'est ici, voilà, ça augmente temporairement le bouclier. Non? C'était où? Ah non, c'était ici. Augmentation des boucliers max plus 25%. Donc à chaque fois qu'on passe dessus, donc voilà, c'est un petit bonus. Rayon 4 mètres, les grenades toutes les 24 secondes, les munitions toutes les 17 secondes, vitesse de rechargement 12 secondes, c'est énorme. Donc si vous le posez, vous avez intérêt à essayer de le garder là le plus longtemps possible. Les grenades à arc, très utiles, efficaces contre les boucliers et les barrières. Donc les boucliers, 7 en bleu, les barrières, 7 en mauve, l'armure, 7 en jaune, la vie, 7 en rouge. Donc on va jusque là, voilà, donc ça fait 740 dégâts, c'est déjà pas mal, et rayon presque 8 mètres, hein, donc on peut à peu près viser sur le côté et toucher plusieurs ennemis, c'est très 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 utile. Grenade à tête chercheuse, quand vous avez utilisé la grenade à arc pour détruire les boucliers, ou j'ai déjà oublié c'est quoi, c'est les boucliers ou les barrières, pardon, barrière de pouvoir, et ben après donc pour détruire l'armure, c'est... une explosion massive à l'impact, je crois que ça c'est très très utile contre l'armure. Il faut que je me souvienne où est-ce que j'ai mis ça. Elle s'enflamme. Ah voilà, ici. Donc augmente les dégâts contre le blindage, donc l'armure de 60%. Diminue la réduction des dégâts des armes des cibles blindées de 50% pendant 8 secondes. Alors la dernière phrase, la réduction des dégâts des armes des cibles blindées de 50% pendant 8 secondes, c'est-à-dire quand on lui tire dessus, les autres quand ils tirent sur une cible blindée, eh ben. Il y a un pourcentage de dégâts qui sont absorbés par le blindage ennemi et donc ça diminue la réduction des dégâts. Donc en gros ils font plus de dégâts quoi. Au lieu de faire 50%, ils font 75%. Moi bon, allez vite faire rayon 2 mètres, mais ça c'est pas grave parce que c'est la tête chercheuse, donc ça va très lentement jusqu'à l'ennemi et puis ça fait boum. 1720 dégâts, ça c'est très utile après quand on a la grenade arc. Ça c'est juste pour avoir un peu plus de santé, de bouclier, etc. Faire un peu plus de dégâts au niveau des pouvoirs et des armes, etc. Athlète aussi, la meilleure, bouclier, nana. Voilà, alors on est vite fait, confirmé. Alors encore dans les armes, bah, j'ai gardé que celle-là, hein, parce que comme ça, j'ai même pas besoin de munitions. Moi, comme ça, c'est juste les alliés qui peuvent les ramasser. Moi, j'ai juste besoin des grenades. Ah oui, attendez. Armes. Qu'est-ce que j'ai? Donc ça c'est à moins de recoil et ça passe à travers. Ok, c'est exactement ce qu'il fallait, équipement. Alors ce truc de... C'est le barrage? Non, c'est pas ça. Non, moi ce que je veux c'est les boucliers... Non, voilà, les grenades. Les grenades. Voilà, donc je vais pouvoir avoir genre 7 ou 8 grenades. 7 ou 8 grenades, donc c'est toutes les grenades ensemble, aussi bien les grenades à arc que les grenades à tête chercheuse. Et donc c'est surtout sur ça que je vais essayer d'avoir les dégâts, donc il m'en faut pas mal. Bah je crois qu'on est parti là. Et bah sur ce, je vous retrouve quand je suis dans une partie. Allez, à toute. C'est parti, mon kiki. Oui, si le chargement veut bien. Allez, un petit peu plus vite. Exactement. Alors, le pylône, on pourrait le mettre effectivement juste ici. Alors, je regarde, ouais, j'ai 10 grenades. Peut-être vous montrer
Voilà, la grenade à tête chercheuse. Voilà. À travers. Et lui l'a ramassé. Dégage, c'est ma plateforme. Va le chercher. Quelqu'un va le chercher. Alors voilà, quand ils sont en l'air, je suppose quand même que la plupart de vous le savent, c'est que les maraudeurs leur donnent de l'armure. Pourtant, c'est pas comme si le jeu était sorti depuis 3 ans presque. Ouais, 3 ans. 2012, je crois, donc ouais, ça. Il entame sa quatrième année. Alors il y a une technique pour courir et tout, mais étant donné que j'ai pas les FPS pour et que j'ai pas non plus la technique, que je vais me casser de là. Ah. Lui il espérait. Bon, ça va, j'ai encore 8 grenades. F. Encore par là. Ah, contre l'armure. Voilà. Vous avez pu le voir, le constater, c'est très 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 utile. Même très efficace. Peut-être pas efficient, mais au moins efficace. Ta-ta-ta. J'envoie une autre de brute, oui. Voilà. Là. Voilà. On va chercher les grenades ici. Parce que toujours par deux elles vont. Ouh là, la furie. Ah, ça c'est réglé. Elle est la bonne fille, elle est là. Allez, on fait tomber les boucliers. Maintenant. Ah. Ah, quand elle a plus son halo bleu, aïe, autour, on peut aller au corps à corps. Sinon, si elle a encore son halo bleu tout autour d'elle, eh ben, elle peut vous one-shotter avec... avec sa main, elle vous transperce et c'est fini.
Lui, il a un Matok comme fusil. C'est un fusil de Cerberus. Je crois que c'est à coup par coup, donc il faut à chaque fois cliquer bah, 30 fois si vous voulez tirer 30 fois. Très précis, pas mal de dégâts. C'est le premier. Est-ce qu'il est assez en dessous? Non, mais descends. C'est le premier que j'utilisais de fusil avec mon soldat. Et franchement. Armure. Voilà. Ah. Je crois qu'il y a des gens qui sont partis, il y en a d'autres qui reviennent. Ah. Laisse-moi passer. Voilà. Et chute de FPS. Non, celui-là. Merci. Regarde par ici, petit. Regarde. Voilà. Eh bien. Chute de FPS, mon dieu. Vivement le nouvel ordi. Voilà, ça c'est un petit truc par contre qui est un petit peu ennuyant, c'est des fois genre je veux faire ça et puis s'il y a un accouvert juste à côté, bah il va faire je sais pas genre ah mon dieu, comme ça il va se mettre à couvert et tout alors que je veux avancer ou sauter mais pas forcément me mettre à couvert. Alors quand vous essayez de vous enfuir et qu'il vous met à couvert du mauvais côté, c'est pas super luminique ni supra génial. Ah, je vais mourir. Voilà. S'il vous plaît. J'appuie sur espace pour m'en donner. Allez. Ah, vas-y, continue, continue. Merci. Voilà. On l'a échappé belle. Et la bête. On ship les grenades aux alliés. Voilà. Un nouveau 8 grenades, ça devrait bien se passer. Merci l'allié.
Est-ce qu'il a le dernier? Encore là? Bon, désolé. J'attendais d'avoir tué au moins les deux exterminateurs pour aller sauver l'autre. Parce que sinon je serais juste mort aussi. Parce que je ne suis pas mon paladin N7, je n'ai pas mon bouclier pour me protéger de l'ortille. Qui font assez bien mal. Ah. Toi tu fais partie de l'histoire avec un grand H. Parce que l'histoire avec un grand H est toujours passée. Oula. Petit headshot. Voilà. Tu me cherches, tu me cherches. Voilà. Barrière. Armure. Armure. C'est fait. J'arrive, j'arrive. Aïe, aïe, aïe. Non, il m'a eu aussi. Voilà, zut. Pas grave, parce que lui, là, le petit Volus, il peut justement faire exploser ses boules d'énergie et ça donne à nouveau plein de boucliers. Très utile. Voilà. C'est bon. Malheureusement, moi, je suis assez dépendant des grenades pour ce personnage-ci. Alors que le paladin, même sans... sans munitions, en fait, lui, il est juste... il est sur les pouvoirs. Et sur le bouclier, parce qu'au corps à corps, il fait quand même une... tonne de dégâts. Ah, le Turien, là, qui a été moissonné. Enfin, on est qu'à deux là, il y en a encore deux à tuer. Ah, je suis mort. Je me suis pris une boule, certainement d'une autre furie. Non, non, elle va m'avoir, non. Ah, je suis mort. Voilà. Je vous l'ai dit, one shot, elle m'a transpercé avec sa main. Et ça, c'est parce qu'elle a encore... pas lui, il est trop petit. Enfin, j'ai rien contre les nains, mais... Ah, voilà, le matoc. On voit bien, là, le matoc. Il a mis un embout supplémentaire pour certainement faire plus de dégâts. Très joli. Très joli fusil, je trouve. Et très utile aussi, franchement. Si je fais là le Volus... Voilà, il y a ses petites boules d'énergie pour s'il a besoin de se refaire du bouclier. Voilà, jolie armure énergétique qu'il fait exploser pour faire des dégâts. Très bon ça. Voilà, coup par coup, très précis. Qui fait pas mal de dégâts par rapport à mon fusil mitrailleur. Qui, comme vous l'avez pu le voir dans l'autre vidéo, bah dans celle-ci en fait aussi au début, qui ne fait pas beaucoup de dégâts. Par contre celui-ci, c'est une autre paire de manches. Vas-y Bruce, je crois en toi Bruce. Même si les poissons sont tes amis, tu n'y touches plus, mais ici il n'y a pas de poissons.
Bon, s'il en reste qu'un seul, on le verra, mais... Voilà. Merci. Bon, là maintenant, il va falloir s'enfuir. 2 minutes. J'espère qu'ils vont pas courir dès le départ au point d'exit, parce que sinon, ils vont juste tous les rameuter au même endroit. Merci. Non. Un de moins. Non. Aïe. Comment ça, j'étais déjà bien loin. Comment tu fais pour me toucher, salope? Je parie qu'il y a des ennemis derrière moi, je suis en train de... Non, ça va. Oula, si, non, ils étaient sur le côté en fait. On évite. On évite avec 17 FPS. Un miracle. Ah, mais c'est pas très grave ni compliqué. Coucou. Voilà. Secondes, plus que 2 grenades. Et descend. Ah merde, je voulais lui faire du corps à corps, mais bon. Il reste 22 secondes, on va vite se casser. On va remettre le truc là. Bon là c'est un peu impossible de le récupérer. À 4 secondes près. Extraction partielle. Ça va quand même. Oui, vas-y. Montre les points, s'il te plaît. Merci. Voilà, 33 000. J'ai utilisé aucun consommable, comme je vous le disais. Voilà. Ah ben, je suis premier. 75 tués, 25 aides, 5 tirs à la tête. Bon, c'est facile avec un fusil. Au fusil d'assaut, 78 000. C'est pas grand-chose. Avec le paladin, je fais des 100 000, 120 000. Mais bon, ça combote bien. 3 vagues vaincues, défi d'argent, ennemi inconnu, carte inconnue, extraction partielle malheureusement, mais c'est pas très grave. Et on n'est plus que 3, donc je vous retrouve quand je suis dans une nouvelle partie. A tout de suite. À peu près ici, je crois normalement d'habitude que je le mets. Au départ, de toute façon, je vais le déplacer après. Alors, ils peuvent souvent arriver de par là. Ou de là derrière, ils montent par là, ou là aussi. Où est-ce qu'ils sont cette fois? Bah là. Ah, pas mal, pas mal. Contre Cerberus. Les pros humains. J'en ai vu un par ici. Voilà. Il avait peur. Ah bah voilà, comme je vous le disais, ils arrivent de par là. Forcément, après 2 ans, 3 ans de jeu, on connaît par où ils peuvent arriver, apparaître. Voilà. Une grenade pour moi. Bon, il a fini. Oui, voilà. 25% de bouclier en plus. Avec les beaux petits reflets. Yeah. J'aime bien son casque et tout. J'aime bien le design perso de Mass Effect, des armures et tout. Bon, c'était complètement raté. Ah, les... C'est quoi encore ça? C'est pas des tanks...
Krogan. Enfin, ou une mâche. Mais en tout cas, ici, on est sur la planète des Krogan. J'ai oublié comment elle s'appelle. Kachanga, Kachushka, je sais pas trop. Matryoshka. Non, c'est autre chose. Un bouclier va pas faire long feu. Hein. Avec une arme qui transperce. Aïe. Yes, c'est bien ça. Ça c'est bien. Ils sont tous morts. Bien joué. L'ennemi se rassemble. Rechargez. Un drone de reconnaissance avec des infos sur la flotte ennemie est tombé dans cette zone. Force alliée détectée. Bah, je t'ai déjà dit, non, c'est par 4. Enfin, c'est 3 fois 4 tomes en fait. Il y a les complaintes des Landes perdues, après il y a les Chevaliers du Pardon, et après les Sorcières de je ne sais pas trop quoi. On a les. Avant d'acheter celle-là, il faut. Enfin, tu peux déjà les acheter, mais avant il faut surtout. Acheter les Chevaliers du Pardon. On a les deux premiers maintenant, je crois. Non, on a les deux premiers Chevaliers du Pardon et les quatre premiers des Landes perdues, ça on les a. On a les deux premiers Chevaliers du Pardon, puisqu'on avait déjà le premier et le deuxième, on l'a acheté il y a quelques semaines, d'ailleurs que j'ai pas encore lu. Et on n'a pas encore les Sorcières, mais on peut déjà les acheter pour quand on aura lu les Chevaliers du Pardon. Si on a d'abord les quatre pour les lire entièrement. On a les deux premiers sur quatre. Ouais. Ok. Voilà, alors je parlais juste avec mon père qui était entré comme ça dans ma chambre. J'espère que je vais penser à enlever la conversation. Oh, puis non, en fait, je l'enlèverai même pas. Au moins, comme ça, vous apprendrez peut-être une nouvelle BD pour ceux qui connaissent peut-être pas. Complainte des Landes perdues. Moi j'aime assez bien l'histoire, maintenant forcément chacun ses goûts, évidemment, les goûts et les couleurs, ça se discute mais ça ne se réfute pas. Voilà, t'es content Coco? Aïe, je me suis pris un coup de sniper qui m'a enlevé tout mon bouclier, où est-ce qu'il est? Électrocuté, t'es morte, voilà. Ouais. Un atlas. Ils sont en train de se faire électrocuter. Ah, il est encore derrière moi, mais je vais la laisser à l'autre. Je pense qu'elle pourra tout à fait bien se débrouiller. Comme ça. Ah, attendez, je voulais faire une glissade. Voilà. Ah, où est-ce qu'il est l'Atlas? Ah bon, j'ai volé le kill, désolé, c'est pas ce que je voulais faire. Je me ramène par derrière. Oh, Nargouzin. J'ai déjà tué deux Argousins d'un coup avec une seule balle dans la tête. C'était un double headshot. J'étais genre là derrière l'autre, j'ai fait pouf. Avec le sniper, la veuve. Hein. J'ai déjà fait aussi un 4. 4 quadruple kill. Avec le sniper. 4 soldats récolteurs en normal, hein, donc en difficulté argent. Un quadruple headshot. Magnifique. Une fois, peut-être, quand j'aurai le nouvel ordinateur, je réessayerai. Le but de la vidéo sera vraiment de faire des doubles ou triples kills en headshot avec le sniper. Si j'y arrive, bah tant mieux.
Ah, petit bug. Et si je réarrive... Voilà, ça disparaît. On prend des grenades, on l'achève, voilà. Tu poses pas de tourelle tant que je suis là, mec. Internet? J'ai compris Internet, perso. Hein. Internet? Oui, c'est pas nouveau. Ça existe depuis déjà peut-être 20 ans maintenant, un peu plus. Yo, je suis là. T'en fous? Ok, tu t'en fous. Ah, il me reste 4 munitions. Ça recharge. Où est-ce qu'ils sont? Ah là! Ah! Oula, elle m'a fait mal celle-là. Headshot. Non, je rigole. C'était juste un coup de coude. Je lui ai pas donné un coup de main, je lui ai donné un coup de coude. Si t'as perdu ton bouclier, mec, redonne-en toi un. Ton métier, t'es Volus et pas Volute, c'est autre chose. C'est en fonction de, enfin, c'est en rapport avec des colonnes. Voilà, je sens, voilà, qu'ils vont se ramener par là. Voilà, ramasse cordialement. Ça remonte un petit peu, voilà. Ah, trop tard. Hop là, le bouclier qui remonte direct grâce à la tourelle. Enfin, au pylône plutôt. La tourelle, c'est les ennemis qui les posent. Les tourelles. La tourelle les pose. Oh là, mon dieu, la grammaire. Toujours un bon niveau de grenade en stock. Qu'est-ce qu'il est? Là, là, ben. Voilà. Voilà, là, là, je voulais juste avancer et non, il m'a mis à couvert. Je pense pas que ça a été super utile, mais. Voilà.
basse. Énergie supplémentaire venant de Clitech recommandée. Envoie des données voilà. Capitales. Ah non. Ah le mien fait plus mal. De tir téléguidé. Voilà, ça en fait un. Je vois pas l'autre. Voilà. Et voilà, maintenant il m'en refaut. Oula, non, je passe pas par là. Je ne passe pas par le même endroit que toi. Tu m'as raté au corps à corps, tant mieux parce que. Je cours, je cours. Il court, le furet. Et voilà. C'est réglé. Ah, laisse-moi passer. Laisse-moi mettre le pylône. Voilà, c'est bon. D'être par là, non, ça va. Elle toute seule, elle y arrive très bien là. Il a un petit bug de tir avec son fusil guette, je crois. Fusil d'assaut guette. Ouais, c'est ça, c'est le fusil d'assaut. Boum! Voilà! Là, on y arrivera à extraction complète. 9 secondes encore. Ah. On les électrocute. On gagne du temps. On gagne du temps. Voilà. Oh, c'est bon. J'essayerai les difficultés supérieures quand j'aurai le nouvel ordinateur, parce que là je suis à 18 FPS, donc voir je descends à 11 ou 12 des fois. Donc je vais quand même attendre d'avoir un ordi potable avant d'essayer en plus dur. Là 34 000, hein. Encore premier, pas de beaucoup, mais. Eh ben, je peux dire merci à ces gens-là, hein. C'était deux belles parties. Un petit peu avec beaucoup de manque de FPS, mais bon, ça c'est mon choix, puisque je voulais enregistrer. Et eh ben sur ce, si voilà, si ça veut bien quitter. Je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, même si les commentaires étaient nuls à chier, mais c'est pas très grave. Faut que je m'entraîne, hein. Et donc, je vous dis à la prochaine, et soyez heureux!